Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très belles mitaines au crochet, toutes réalisées au point crocodile. D'ailleurs, pour faire ce modèle-là, il m'a fallu 200 g de laine. Vous pouvez, avec la même façon de mesurer, faire des jambières. Vous pouvez réaliser plein de choses avec, du moment où vous avez la base pour mesurer. Sauf que là, moi, j'ai décidé d'en faire des mitaines pour ma fille. C'est le résultat vraiment très joli et vraiment très sympa. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Moi, pour réaliser cette très jolie mitaine, je vais prendre une laine que ma fille a choisie avec plein de jolis dégradés et je vais la crocheter avec le crochet numéro 4. Donc, bien entendu, vous prenez la laine ou le coton que vous désirez, donc avec le crochet adéquat. Tout simplement. Déjà, pour prendre les mesures, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui fait le tour ici de votre main. Un nombre de mailles chaînettes simplement, qui fasse le tour ici, avant le pouce. La seule chose, il faut que le nombre de mailles chaînettes que vous allez réaliser, donc vous faites un nombre de mailles chaînettes, vous passez bien autour de votre main, savoir si ça va. Il faut simplement que le nombre de mailles chaînettes soit multiple de 6 pour pouvoir réaliser ce très joli pouce. On va déjà commencer par faire le nœud de base. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là, vous le passez autour de votre doigt. Vous sortez un petit peu votre boucle, vous passez le fil sous la boucle, et avec le crochet, vous allez le chercher. On tire dessus. Donc là, comme je vous ai dit, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 6 et qui fasse le tour de votre main. Personnellement, pour le premier, donc je vais faire la même chose pour le deuxième, j'ai fait 30 mailles chaînettes. Alors, je vous laisse faire vos mailles chaînettes. On se retrouve après. Vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui fait donc le tour de votre main. On va bien mettre nos mailles chaînettes vers nous. On va entrer dans la première maille de départ et on va fermer avec une maille coulée. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Et là, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille chaînette. Donc, on retourne dans la première. On fait une maille serrée. On va dans la suivante. Une deuxième. Vous allez simplement, donc, comme je vous disais, faire une maille serrée dans chaque maille serrée, dans chaque maille que vous avez fait jusqu'à la fin du tour. Vous devez avoir exactement le même nombre de mailles serrées à la fin que de mailles chaînettes. Quand vous avez fait une maille serrée dans chaque maille, on arrive au point de départ. Et là, on va faire une maille coulée dans la première maille de départ. Alors maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Un jeté, on revient dans le même espace, on fait une deuxième bride. Une maille de séparation. On passe une, deux, on va dans la troisième maille, on refait 2 brides à l'intérieur. 2 brides dans la même. Une maille de séparation. On passe les deux premières. On va dans la troisième. On refait 2 brides. Une maille de séparation. On passe les deux premières. On va dans la troisième. On refait 2 brides. Vous allez répéter ce même procédé sur tout ce tour. Donc, quand vous avez fait tout votre tour de cette façon-là, on a fait une maille de séparation, on va compter 1, 2, 3, dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Donc là, on a fait le tour, on prépare l'espace pour mettre les coquilles. Le prochain tour va être les coquilles. Et tout le long, vous allez répéter celui-là et celui d'après. Donc là, on va faire le point crocodile. On fait 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride, un jeté. On rentre avant, ici donc on a les deux premières brides, on rentre avant la première, on sort au centre. On tourne un peu notre travail, parce qu'on va travailler dans cette bride. Et là on va faire à l'intérieur de cette bride, 4 brides de plus. Donc 2, 3, 4. Qui avec les 3 mailles en l'air de départ nous font 5. Là on fait une maille de séparation. On tourne notre travail. On va travailler sur la deuxième bride. Donc, vous faites un jeté. On positionne notre travail dans ce sens-là. On rentre avant la bride, on sort au centre. Et là, vous refaites 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. On va travailler
Dans un groupe sur deux, donc le prochain groupe de deux brides, on ne travaille pas. On fait directement un jeté, on va dans le deuxième groupe. Avant la bride, on sort au centre. Et là, on va faire cinq brides également. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une maille de séparation. On tend de nouveau notre travail. Parce qu'on va travailler sur la deuxième bride qui était devant. Un jeté, on rentre avant la bride, on sort au centre. À nouveau, vous allez faire 5 brides dans cette bride. Donc 2, 3, 4, 5. Je remets mon travail droit pour vous montrer. Un jeté, comme je vous disais, on travaille un groupe de brides sur deux. Donc le prochain groupe, on ne touche pas. On fait un jeté, on va avant la bride, on sort au centre et vous allez recommencer exactement la même chose. 5 brides de ce côté-là. Donc 2, 3, 4, 5. Une maille de séparation. On tourne légèrement notre travail. On va travailler sur l'autre bride qui était devant. Donc vous rentrez avant, vous sortez au centre et là vous refaites 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Donc ce qu'on vient de faire là, vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez fait tout votre tour de cette façon-là, on va donc dans le dernier groupe de brides, vous allez simplement terminer avec une maille coulée. Donc là, ça sera à chaque tour qu'on va faire les coquilles, c'est de cette façon-là que ça se passera. Pour chaque tour, on va devoir préparer les brides. On va commencer en faisant 3 mailles en l'air, 2, 3, un jeté, on revient dans le même espace, on refait une deuxième bride, une maille de séparation. Là, on va à l'intérieur de notre coquille, directement, et on fait de nouveau deux brides à l'intérieur, une maille de séparation. Ici, on a donc le groupe de brides du tour précédent qu'on n'a pas travaillé. On rentre dans le groupe de brides qu'on n'a pas travaillé et on fait deux brides. Une maille de séparation dans la coquille, dans l'espace de la coquille. De nouveau, un groupe de deux brides. Une maille de séparation. Entre les deux coquilles, on a ici les deux brides qu'on n'a pas travaillées au tour précédent. Vous rentrez bien dedans et vous faites de nouveau deux brides à l'intérieur. Une maille de séparation. Dans la coquille, on fait deux brides. Une maille de séparation. Entre les deux coquilles, on fait également deux brides. Une maille de séparation dans la coquille, deux brides. Une maille de séparation entre les deux, donc bien dans le, entre bien au centre des deux brides du tour précédent. Comme ça, on coince nos coquilles également. Et on fait également deux brides, une maille de séparation. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du tour. Donc là, j'y suis. Voilà. Là, j'accélère un peu parce que je vous ai déjà montré dans plusieurs tutos comment réaliser ce motif. Donc, pour terminer, une maille de séparation. Vous allez dans la toute première bride, vous comptez 1, 2, 3. Dans la troisième maille, vous fermez avec une maille coulée. Quand on travaille le point crocodile, on travaille... Là, on a les deux coquilles. Donc, ici, la prochaine va être au centre, entre les deux. On va faire ce qu'on a déjà fait pour les premières, 3 mailles en l'air, un jeté... On rentre avant notre première bride, on sort au centre. On tourne un peu pour bien travailler. Et là, on va mettre 4 brides à l'intérieur, puisque les 3 mailles en l'air comptent déjà comme une bride. 2, 3, 4, la maille de séparation. On tourne légèrement à nouveau. Là, on va travailler sur la bride qui était devant. Donc, vous entrez après la bride, vous ressortez au centre. Et là, vous allez faire vos 5 brides. Une, deux, trois,
4 et 5. Comme au tour précédent, on ne travaille pas un groupe de prises sur deux. Donc, on passe dans le prochain où la coquille va de nouveau être au centre de ces deux-là. Donc, vous entrez avant, vous sortez au centre. Et là, vous refaites 5 prises de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille de séparation. On tourne légèrement pour travailler sur la deuxième bride qui est en face. Et là, à nouveau, vous allez faire 5 brides dans celle-là. 2, 3, donc 3, 4 et 5. À nouveau, vous avez compris, ça vous donne déjà ça, on voit bien. Un jeté, vous passez le prochain groupe de deux brides, vous allez dans le suivant et vous recommencez. Vous allez faire le même procédé sur tout ce tour. Vous avez de nouveau fait le tour de cette façon-là, je vous montre une dernière fois comment terminer. Donc, dans le groupe de deux brides du tour précédent qu'on n'a pas travaillé, on va faire une maille coulée. Ensuite, à nouveau, on va préparer les espaces pour pouvoir remettre des coquilles. Donc là, vous allez faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Vous revenez dans le même espace, vous faites une deuxième bride. Une maille de séparation. Vous allez dans l'espace entre de la coquille et vous refaites 2 brides à l'intérieur. Une maille de séparation. Ici, on va travailler. On voit ici le groupe de brides du tour précédent qu'on n'a pas travaillé. Vous rentrez bien dedans et vous refaites 2 brides à l'intérieur. Une maille de séparation dans l'espace de la coquille. De nouveau, 2 brides. Vous avez compris que vous allez répéter le tour, donc ce tour-là. Et le deuxième, on fait les coquilles, le nombre de tours que vous désirez pour couvrir votre main. Donc, moi, ma fille, ça va lui couvrir à peu près comme ça. Ça va laisser dépasser un petit peu les doigts. Donc, maintenant, à partir de maintenant, vous allez faire le nombre de tours que vous désirez pour couvrir la partie du haut. Alors, quand vous avez fait le nombre de tours désirés qui couvrent vraiment jusqu'au bout des doigts, vous devez terminer déjà par le tour des coquilles. Ensuite, là, on va faire un nombre de mailles chaînettes, donc qui soit toujours multiple de 6, ça ne change pas, pour pouvoir passer le pouce. Donc maintenant, c'est à vous de voir en fonction de la main de la personne. Moi, personnellement, pour ma petite fille, donc sur la première, j'ai fait 12 mailles de séparation. Alors, faites un nombre de mailles de séparation. Ensuite, essayez-le sur la personne. Et comme ça, vous verrez tout de suite. Donc, moi, j'en ai fait 12. Je vais en refaire 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, vous allez passer la première coquille, on n'y touche pas. On va ici, donc au centre des deux coquilles. Avec une maille coulée. Donc on a laissé juste une coquille sans travailler. Et là, on va simplement reprendre le tour où on va faire les brides. 1, 2, 3. Même espace. La bride, une maille de séparation. Coquille suivante, 1, 2. Donc ça, vous allez répéter ce qu'on a déjà fait jusqu'à ce qu'on arrive ici. Là, on a fait les mailles de départ. Donc, quand on est arrivé, là, on a fait nos mailles de séparation. J'ai malgré tout fait ici mon groupe de bride. On va faire une maille en l'air. Et puis là, on va compter simplement. 1, 2, on passe 1, 2, on va dans la troisième et on fait 2 brides dans la même. Une maille de séparation, on recompte 1, 2, on va dans la troisième, on refait 2 brides. Alors, on passe 1, 2,
Bah dans la troisième, on refait deux brides, une maille de séparation, on passe les deux premières, on va dans la troisième, une maille de séparation, et là on va directement, on va donc dans la première bride. Donc ça ici, vous allez faire ce que j'ai fait, parce que moi comme j'ai fait que 12 brides, ça m'en fait que 3 de plus. Donc vous, si vous avez fait plus de, pardon, donc moi j'ai fait 12 mailles de séparation, si vous en avez fait plus, vous allez simplement répéter ce procédé jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Donc ici la maille de séparation, je compte 1, 2, 3, la troisième maille de la première bride, je ferme avec une maille coulée. Là, on va simplement reprendre 2, 3, nos écailles, comme on l'a fait jusqu'à présent. Deux. La maille de séparation, on tourne. Et on rajoute les 5 brides de l'autre côté. Le jeter. Là, on fait que répéter le tour des écailles, donc on passe un groupe de brides, on va dans le suivant et on reprend exactement la même chose. Donc je vous laisse terminer tout ce tour avec donc les écailles. Donc quand vous avez fait toutes vos écailles, y compris ici dans les groupes de brides qu'on avait fait dans les mailles de séparation, on va simplement continuer ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Donc on va dans l'espace qui sépare les deux écailles, on va terminer avec une maille coulée. 1, 2, 3. Là on va simplement reprendre le rang où on prépare l'espace pour nos écailles pour le tour suivant. Vous avez vu que, pardon, à partir de maintenant, on va faire que reproduire ce qu'on a déjà fait sur la première partie. Donc, et ça, vous allez simplement le faire le nombre de tours désirés pour vos mitaines. C'est vous qui décidez à partir de maintenant le nombre de tours que vous allez faire d'écailles, tout simplement. Moi, ma fille voulait que ça lui arrive à peu près, voilà, ici, au coude. Donc, j'ai fait combien de tours de plus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Au total, j'ai fait 15 tours de plus pour avoir cette taille. Donc, maintenant, je vais faire exactement la même chose pour avoir la même taille. Donc, à partir de maintenant, vous avez compris, vous allez faire un tour, vous préparez les groupes de deux brides, le tour d'après, vous faites les écailles, et ainsi de suite, le nombre de tours que vous désirez. Quand vous avez fait, donc le nombre de tours que vous désirez exactement de la même façon, pour que nos petites écailles, ici, les dernières du haut, soient bien fixées, on va faire une dernière petite chose avant de terminer. On va faire un tour simplement en maille serrée. Donc vous allez faire, donc quand on a terminé, on va faire une maille en l'air. On revient dans le même espace, on fait une maille serrée. Ensuite, ici, on a la première écaille. Donc, dans l'espace, on voit ici l'espace créé par la première bride, ici à l'intérieur. Vous entrez dans l'espace créé de la première bride, vous ressortez de l'autre côté, maille serrée. Vous allez dans le centre de l'écaille, maille serrée. Ici, on a la nouvelle écaille, donc vous entrez bien entre la première et la deuxième bride, vous ressortez de l'autre côté, maille serrée.
entre les deux écailles, maille serrée. Là, de nouveau, dans l'espace entre la première et la deuxième bride, maille serrée. Entre les écailles, maille serrée. De nouveau, entre la première et la deuxième bride de l'écaille, maille serrée. Entre les deux écailles, donc on prend bien le groupe de bride du rang précédent, maille serrée, comme ça, ça tient aussi l'écaille. Et vous allez simplement faire ce même procédé sur tout ce tour. Vous pouvez faire un tour ou deux. Moi, personnellement, j'en ai fait qu'un, juste pour bien accrocher mes écailles. Et ensuite, ce sera terminé. Terminer avec une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Vous n'avez plus qu'à cacher vos fils, à faire une deuxième exactement pareille et vous aurez de superbes mitaines ou alors des jambières, comme je vous ai dit, le principe reste le même. C'est vraiment super sympa à faire. Ça prend un petit peu de temps malgré tout, mais le résultat est vraiment très beau. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.